Et salut tout le monde, c'est Trimano et on se retrouve aujourd'hui pour le bras de fer de la semaine sur Hearthstone du coup, comme d'habitude, et pour Guerre en miniature. Donc le bras de fer, cette fois donc encore assez spécial, vu que pour cela nos créatures vont être modifiées, elles auront toutes leurs caractéristiques diminuées ou augmentées, donc avec un d'attaque et un de défense, et coûteront toutes un de mana. Donc pour ça, j'ai envie de jouer druide, parce que le druide a beaucoup de sorts qui font un point de dégâts, le balayage, donc qui peut clean tout le bord des adverses par exemple, les colères, les racines vivantes, etc. Et son pouvoir héroïque aussi, qui fait qu'à partir du tour 2, il pourra... à partir du tour 3, il pourra potentiellement poser une créature, plus pouvoir héroïque, et donc tuer une créature, vu qu'il aura un d'attaque, sans prendre de dégâts, vu qu'il prend un d'armure également. Donc voilà, donc on a mis des sorts classiques, hein, et plus des créatures donc qui ont un effet quand elles rentrent sur le terrain. Donc on a mis des grosses créatures, donc Rafam, Maligos, Alexstrasza, Ragnaros, donc qui ont des effets dès qu'on les pose, comme ça leur effet aura le temps de... justement de faire son effet avant qu'elle ne meure, vu qu'elles seront que 1-1. Et sinon, on a mis des petites créatures, donc l'archer-elfe, qui permet de tuer une créature gratuitement, entre guillemets, en plus d'apporter du board. Les cuillères d'argent, qui a un bouclier divin et donc qui peut potentiellement tuer deux créatures. On a mis un rugissement sauvage, au cas où on est un petit peu de board, comme ça on peut en caler beaucoup de dégâts. Un contrôleur mental, si c'est notre adversaire qui nous dépasse niveau dégâts. Fusilier de forge fer, donc pareil que l'archer-elfe, et un Jeeves pour piocher, vu que toutes les créatures coûteront un de mana. Du coup on a mis le Jeeves pour piocher, vu qu'on sera souvent, enfin notre main sera souvent vide. Et deux anciens du savoir également pour la pioche. Et dernière spécificité du deck, on a mis deux sentinelles Anubisat, donc qui quand elles meurent donnent 3-3 à un serviteur allié aléatoire. Donc vu que les buffs marchent, on a mis ça, comme ça la créature pourra passer de 1-1 à 4-4. Donc voilà, donc c'est parti, on va trouver un adversaire, donc un voleur. Donc j'imagine que voleur c'est fort car il y a, ça s'appelle l'éventail de couteau. Après à part ça, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Donc voilà, donc là dans la main on a Sentinelle, Jeeves, Ancien du Savoir et Racine Vivante. J'ai envie de garder Sentinelle, Racine Vivante et Ancien du Savoir. Le Jeeves, j'ai pas envie de le garder, sachant que j'ai la pièce, du coup il va poser pas mal de créatures. C'est assez embêtant. Donc là j'imagine qu'il a posé une créature, donc une 1-1. Donc là comme ça je pourrais Racine Vivante, pièce, archer-elfe. Je pense que le play c'est quand même... Là, il me trade les deux. Alors, du coup, le play, ça va plutôt être pièce, enfin, racine vivante, pièce et cuillère d'argent. Comme ça, on a trois créatures. Là, il peut nous en clean deux, sauf s'il a une attaque sournoise ou un sort qui peut nous tuer la troisième. Et comme ça, le prochain tour, on pourra sentinelle, archer-elfe, en ayant trade ces créatures. Vu que le Nerubien, normalement, si je dis pas de bêtises, invoque le Nerubien, mais le Nerubien sera 1-1 et pas 4-4. Confirmé, vu que là il va trade, on va le voir tout de suite. Ah non, il trade pas, tiens, c'est assez bizarre du coup. On trade avec notre arbrisseau pour essayer de conserver le bouclier divin. Et voilà, et comme prévu, donc le Nerubien qui est 1-1. J'ai envie de dire, on va à Alexstrasza. Comme ça, on fait 14 points de dégâts avec un de mana, donc c'est rentable. On tue le Nerubien. Et on pose la sentinelle. Là, c'est son tour d'éventail de couteau, on est-ce qu'il l'a pas. Bien joué, donc peut-être qu'il a l'éventail. C'est assez triste. Voilà, donc il a l'éventail. Donc grâce à ça, il a plus mes créatures. Heureusement, j'ai ancien du savoir pour piocher, parce que sinon j'étais vraiment pas bien. Hop, donc on joue l'ancien du savoir, on pioche deux cartes. On pose la sentinelle. Est-ce qu'on pose Maligos? Ouais, on pose Maligos parce que s'il pouvait nous tuer deux de nos créatures, donc la Sentinelle et l'Ancien du Savoir, Sentinelle, qui est notre deuxième du deck, donc on en a plus, n'aurait pas eu d'effet. Donc là, avec 3, ça diminue le risque. Donc à moins qu'il ait le deuxième éventail de couteau, ce qui serait quand même assez violent vu qu'il n'a pioché que 8 cartes de son deck. Donc là, ça, c'est peut-être un sap. Non, ou un silence peut-être. Ah, t'as eu le crépuscule. Ah, c'est pas con. Il a bien fait son deck. Hein. Donc la trahison, qui fait que c'est toutes mes créatures. Ah ouais, c'est... Ah, il met pas très bien, il met pas très bien, mais bon. On va essayer de faire ce qu'on peut. 4. Là, je pense qu'on va... On va pouvoir héroïque et on tape dans le Drake pour préparer un meilleur balayage le prochain tour. On aurait pu balayage la tête. Mais bon, là je lui tuais pas cette créature là, faut que je fasse du card advantage avec mon balayage. Donc ça ne m'intéressait pas trop de le jouer tout de suite. Et il buff toutes ces créatures donc qui passent de 1-1 à 2-2, forcément. Hop, du coup on va tuer le champion du Hurlevent, qui représente 7 de dégâts quand même. Hop. Nous allons... Bonne question. Je pense que... On va Archer-Elf le Hillbot et on va la marque du fob. Comme ça il est obligé de mettre son arme et ses créatures dedans. Et comme ça, ça me donnera un meilleur balayage le prochain tour, potentiellement. Sauf s'il a un sap ou quelque chose. C'est assez embêtant. Pour l'instant ça me met pas très bien. Et pour l'instant j'ai raté un play, c'était de mettre la sentinelle au milieu des deux autres créatures. Moi j'ai pas joué autour de trahison, mais qui aurait joué autour? Oui, ça c'est assez embêtant vu que ça diminue la qualité du balayage. J'espère qu'il trade avec sa creeper et pas avec son drake. Je rangerai. Dommage. Bon, du coup, ça reste quand même pas mal. Non, en fait, ça me met bien parce que j'ai la racine vivante. Du coup, on racine vivante l'araignée. On balayage le Drake, comme ça on tue tout son board. On Jeeves. Du coup, Jeeves qui nous fait piocher 3 cartes, vu qu'on n'en a aucune sur le terrain. Ah, ça c'est bien, on a de la pioche. C'est vachement intéressant. Donc on a le Rafam. Le Rafam du coup qui peut nous permettre soit de buff une de nos créatures en lui mettant +10/+10, soit en faisant 10 points de dégâts répartis aléatoires dans l'attrape adversaire. Donc là il fait l'arcin, je sais pas si c'est une bonne idée. Ça veut peut-être dire qu'il compte tuer le Jeeves, alors qu'il avait que 2 cartes en main, c'est assez bizarre. Ouais, je ne l'aurais pas joué personnellement. Autant profiter du Jeeves, tant qu'il est sur le terrain et piocher. Rejoignez le côté sauvage. Et... Si je puis me permettre... Pioche de cartes. Alors, donc là on a la colère 1, donc on a énormément de... on va d'abord jouer le Rafam du coup. L'archéologue Donc Miroir du Destin, qui permet de remplir le plateau des momies, enfin de momies zombies 3-3, mais qui, du coup, à cause de ce bras de fer, les momies seront 1-1. Donc là, si je prends ça et qu'il a un nouvel éventail de couteaux, je suis assez pas bien, quoi. Du coup, j'hésite entre Lanterne de Puissance et Horloge de l'Horreur, vu que pour l'instant, c'est lui qui a le board. Je pense que l'Horloge de l'Horreur est mieux pour le moment. On va Choléra 1. Lourde volcanique, on va pouvoir héroïque et trade la dernière 1-1. Ouais, du coup, je trade le mouton. Du coup, je trade le mouton avec le Jeeves, qui a moins de cartes que moi, et on pioche les 2 cartes. À la base, je voulais pas. Ah, vite. A la base, je voulais pas tuer le Jeeves, c'est pour ça que j'ai mis le Rafam avant. Mais j'ai été bête, j'avais pas pensé à la choléra qui me ferait piocher, et du coup le Jeeves m'aurait servi à rien. Donc Donc là je tape deck le Toritan, c'est vraiment bien, comme ça je pourrais jouer dans un même tour Horloge de l'Aurore plus une créature. Là le... Ah oui, donc il donne aussi invoque des 1-1 et non pas des 2-1 cette fois. Et le, comme là lui aussi il a un peu misplay, il aurait dû jouer le jongleur de couteau avant l'inventrice Glan. Donc là, heureusement que j'ai pris l'horloge de l'horreur, ça va être assez utile pour le coup. Hop. Du coup on va la jouer... Ah. Non, du coup on va plutôt jouer le balayage. Mais comment on est garanti que toutes ces créatures meurent? En plus on fait pas de dégâts dans la face. Du coup on Horeb, on pouvoir héroïque et on fusilier de forge-fer. Comme ça on peut setup un létal avec l'horloge de l'horreur. Prochain tour, vu qu'il sera à 11, elles font 10. Et avec l'éclat lunaire dans la main, le compte est bon, ça fait 11 points de dégâts, donc là il est plus qu'à 10, du coup l'horloge de l'horreur suffit pour le moment, quand il pose pas de board, peut-être qu'il va poser 2 créatures, même s'il pose 2 créatures j'ai l'étal, et du coup c'est le GG, du coup on pose l'horloge, voilà l'horloge de l'horreur, on voit la petite aiguille qui défile et toutes les heures que le voleur prend dans la tête, et c'est la victoire, Valera qui explose du coup. Hop, et voilà, donc un paquet obtenu assez simplement, il suffisait juste de contrôler un petit peu le board, et voilà, Alexstrasza qui a bien aidé, hein, même s'il avait le bot derrière. Donc on s'en est plutôt bien sorti, hein, contre le voleur qui avait un deck en plus bien pensé, hein, c'est vraiment intéressant son deck à jouer. Donc voilà, c'était Trimano pour le bras de fer de la semaine. Donc, original, hein, très plaisant vraiment. Donc retrouvez Ivasound Studio sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, il y a tous les liens dans la description, vous pouvez cliquer, ça coûte rien, par 3 secondes.